Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer un classique. C'est vraiment classique. Et c'est Rome 44. Allez, c'est parti. Pour préparer le Rome 44, on aura besoin d'une orange, un bocal pour qu'il soit suffisamment grand, comme vous voyez. Et puis 1 litre de rhum avec une ficelle, bien entendu. Là, on va pas du tout ajouter du sucre. On va les ajouter qu'à la fin. On va d'abord déjà commencer à préparer l'orange pour le mettre directement dans le bocal. C'est le plus chiant, tu vois. Une fois qu'on a fini d'attacher l'orange, on va commencer pour mettre directement dans le bocal, prêt à mettre l'orange. C'est assez embêtant quand on met la ficelle.
puis on va mettre directement le rhum. Voilà, le rhum suspendu au rhum 44. Du coup, bah, normalement, on va le laisser pendant 44 jours. Mais là, on a le temps. On va le laisser largement 3 mois, voire un peu plus 6 mois. Rhum 44 ou orange 44, comme vous voulez. En tout cas, moi, il n'y avait pas du tout mis à commander du café. Parce qu'il n'aime pas du tout le café. Et puis, il ne voulait pas du tout mettre du cacao. Parce que bon, ils en fait déjà suffisamment. Et en même temps aussi du gingembre aussi, ça marche bien aussi. Mais il n'y avait pas envie non plus. Donc il voulait goûter quelque chose du côté brut. Comme vous voyez la couleur. En tout cas oui, la couleur ça change un peu quand même. Et ça me permet de vraiment bien boire. Je n'ai jamais fait un brut comme ça. Donc c'est le meilleur moment pour moi de vraiment bien goûter. En tout cas, il peut vous rassurer, quand vous goûtez, c'est assez amer quand même. Donc si jamais vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça, il ne faut vraiment pas du tout le faire. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Mais pour ceux qui aiment bien beaucoup l'amertume, là vous pouvez le faire. Et comme toujours, hein, il ne faut pas oublier, on ne boit pas et conduit après. On est tous responsables. A bientôt, c'est Arrangé le Rhum. Allez, bye bye.